Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Memphis Depay, la recrue hivernale de l'Olympique Lyonnais. Memphis Depay est né le 13 février 1993 à Moudrecht, un petit village en Hollande. Abandonné par son père alors qu'il est âgé de seulement 4 ans, c'est sa mère qui l'élève seule. En 2000, il s'inscrit dans le club local du VV Moudrecht. Son aisance technique lui permet d'être repéré par le Sparta Rotterdam en 2003, club dans lequel il évoluera durant 3 ans. Enfin, c'est en 2006 qu'il intègre le centre de formation du PSV Eindhoven. 5 ans plus tard, alors qu'il n'a que 17 ans, il signe son premier contrat professionnel avec Eindhoven. Lors de sa première saison, en 2011, Memphis alterne entre l'équipe première et l'équipe réserve. Il joue son premier match professionnel le 29 septembre 2011 contre le club amateur du VVSB et contribue à la large victoire 8-0 en marquant 2 fois et en provoquant un pénalty. Il termine ainsi la saison avec 5 buts et 2 passes décisives en 11 matchs. Il remporte aussi la Coupe Nationale après une victoire 3-0 contre le Heracles Almelo. La saison suivante est celle de l'éclosion pour Memphis. Il marque dès le premier match de la saison face aux Zulte Waregem, contribuant ainsi à la victoire de son équipe 2-0. À la fin de la saison, il est le joueur le plus spectaculaire du championnat avec une moyenne de 5,1 tirs par match, 3,2 dribbles et 2,7 passes clés par match. Avec 14 buts et 10 passes décisives en 43 rencontres, il réalise une saison plus qu'aboutie. Lors de l'été suivant, plusieurs clubs anglais courtisent Memphis, mais son choix est de rester au club. Il commence donc la saison en enchaînant les buts jusqu'au 13 septembre 2014 où il est victime d'une déchirure à l'aine et est écarté des terrains pendant 5 semaines. De retour de blessure fin octobre, Memphis enchaîne les bonnes performances et aide le PSV à remporter son 22e titre national. Il termine d'ailleurs la saison en étant nommé meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations et remporte aussi le titre de meilleur jeune joueur de la saison. Le 12 juin 2015, Memphis Depay s'engage avec Manchester United, contrat montant estimé à 34 millions d'euros, et signe un contrat de 4 ans avec le club mancunien. Là-bas, il hérite du mythique numéro 7 des Red Devils qui fut notamment porté par George Best, Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo. Quelques jours après son arrivée, il effectue ses débuts face à Tottenham et réalise une performance correcte. Le 18 août 2015, lors d'un match de barrage de Ligue des Champions contre Bruges, il s'illustre en marquant un doublé et en offrant une passe décisive. Cependant, ses performances restent mitigées. Il se montre peu décisif, est parfois mis sur le banc et reçoit même des critiques des membres du staff. Ainsi, le 21 novembre 2015, après 4 matchs sans avoir joué, il marque face à Watford et est nommé homme du match pour la première fois de la saison. Néanmoins, sa situation ne s'améliore pas. Le jeune néerlandais alterne entre titularisation et entrée en fin de match. Pire encore, le 9 février 2016, il est aligné avec l'équipe des moins de 21 ans lors d'un match contre Norwich City. Après un bon match lors d'une rencontre d'Europa League, il est titularisé 2 fois de suite face à Arsenal et Watford, mais se montre une nouvelle fois peu décisif malgré les victoires. Par la suite, il retrouve son rôle de remplaçant, bloqué par l'éclosion de Marcus Rashford. Le bilan de sa première saison en Angleterre est ainsi mitigé avec 7 buts et 5 passes décisives en 45 matchs, dont 26 en tant que titulaire. Lors de la saison 2016-2017, il n'est titularisé pour la première fois de la saison que le 21 septembre 2016 contre Northampton Town en League Cup. Puis, il enchaîne les mois en ne disputant que quelques minutes en fin de match, cela dû au surplus de joueurs offensifs dans l'effectif. Sur le départ lors du mercato hivernal, et alors que de nombreuses rumeurs annoncent un prêt à Everton, le joueur est finalement en passe de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Le bilan de sa dernière demi-saison est catastrophique avec seulement 8 matchs joués, dont une seule titularisation pour aucun but et aucune passe décisive. Le 20 janvier 2017, Memphis Depay signe à l'Olympique Lyonnais pour 4 ans et demi dans le cadre d'un transfert estimé à 16 millions d'euros avec 9 millions de bonus éventuels. Il devient ainsi la 6ème recrue la plus chère de l'histoire du club. Memphis prend part à son premier match avec le club le 22 janvier 2017 en rentrant en jeu en fin de rencontre face à l'Olympique de Marseille lors d'une victoire 3-1. Le 8 février 2017, lors d'un match contre l'AS Nancy-Lorraine, il remplace Mathieu Valbuena et en profite pour marquer son premier but avec son nouveau club. Il termine d'ailleurs la rencontre avec une passe décisive et provoque même un pénalty transformé par Lacazette pour une victoire 4-0. Un mois plus tard, le 12 mars 2017, il fait sensation en inscrivant un but extraordinaire depuis le milieu de terrain face à Toulouse pour une victoire 4-0. En 2011, Memphis Depay est sélectionné avec les Pays-Bas pour le championnat d'Europe des moins de 17 ans. Il participe à la victoire 5-2 de son équipe en finale face à l'Allemagne en marquant un but et en adressant une passe décisive.
Son bilan chez les U17 est de 7 buts et une passe décisive en 14 matchs. Promu avec l'équipe U19, il se montre décisif lors de matchs amicaux avec 6 buts en 7 apparitions. L'année suivante, il est sélectionné chez les moins de 21 ans et réalise 3 passes décisives en 7 rencontres. Le 4 octobre 2013, Louis van Gaal annonce sa liste pour les derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde 2014. Memphis fait partie de la liste et entre en jeu lors du deuxième match face à la Turquie. Ainsi, il fait partie de la liste des 23 joueurs pour la Coupe du Monde 2014. Remplaçant tout le long du premier match face à l'Espagne, il joue néanmoins la deuxième mi-temps face à l'Australie et se montre décisif en marquant un but d'une frappe des 25 mètres et en délivrant une passe décisive. À 20 ans, il devient le plus jeune buteur néerlandais en Coupe du Monde. Contre le Chili, il entre en jeu à 20 minutes du terme et marque une nouvelle fois. Les Pays-Bas finiront 3e de la Coupe du Monde et Memphis sera nommé au prix du meilleur jeune joueur de la compétition avec les Français Raphaël Varane et Paul Pogba. I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. But I can't wait. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait.